Inutile de préciser que cette vidéo est valable tout aussi bien pour Euro Truck Simulator 2 que American Truck Simulator. Et une autre précision assez importante, c'est que cette vidéo concerne les joueurs PC. Alors c'est très similaire sur console, mais je suis pas connaisseur, donc gardez bien en tête que nous sommes sur PC. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail mon setup et mes réglages sur Euro Truck Simulator 2. Alors ne vous attendez pas à un matos de grand malade. Je pense que si comme moi vous avez un petit budget, la priorité c'est de passer du bon temps avec le matériel le moins cher possible. Le but du jeu c'est de trouver le bon compromis et je vais vous aider à faire les choix. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par quelconque marque de matériel informatique, que ce soit Logitech ou Trustmaster. Sachez juste que les références de tout ce dont je vais parler et en quoi j'ai confiance sont en description avec les liens affiliés. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous voulez faire un tour sur Amazon, ça me permet d'un tout petit peu m'aider dans mes projets et je vous en remercie. Et puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, laissez-moi, attention, vous avertir de la douille du siècle. Nous, on n'a pas comme objectif d'être tout en haut dans l'échelle de la simulation, c'est-à-dire avoir au mieux un volant, des pédales, un levier de vitesse. On demande pas un triple screen, un siège qui bouge, des écrans à 360 degrés autour avec un tableau de bord immersif, je sais pas quoi. Et bah dans tous les cas, prenez bien en compte que les marques, elles font tout pour vous pousser à acheter le plus cher possible. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand chose à part être sûr de savoir ce qu'on veut et avoir un peu de chance. Je vais aussi vous parler et présenter le TrackIR, ce dispositif qui permet de suivre en temps réel les mouvements de votre tête et les reproduire directement en jeu, ce qui permet de rendre le gameplay plus réaliste, pouvoir tourner la tête comme bon vous semble, sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle. Et d'ailleurs, je vous donnerai les avantages et les inconvénients, et donc vous comprendrez pourquoi je préfère le TrackIR plutôt que le VR, même si dans tous les cas, il y a un coût. On est parti pour la présentation du G27. Le Logitech G27, comme son nom l'indique, provient de la marque Logitech. Alors c'est une version inférieure du nouveau modèle, par exemple le G29, dont on parlera plus tard. Le G27, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est volant, plus pédale, plus levier de vitesse, et c'est compatible pour PC, PS2 et PS3, pour ceux qui jouent encore à ces consoles. Le tout est en cuir noir et en acier, je l'ai acheté en mars 2020 au prix de 234 €. Et gardez bien en tête que tout ça, c'est un ensemble, volant, pédale, levier de vitesse. Le prix actuel, il peut varier puisqu'en réalité, eh ben, le G27, il n'est plus commercialisé par Logitech. En fait, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que les marques vous poussent à acheter les nouvelles gammes, plus chères, plus modernes, certes, peut-être plus joli, avec plus de compatibilité, mais très sincèrement, pour nous, ça nous change absolument rien. Si tu joues sur PC, je pense que t'en as rien à faire de claquer 150 € de plus sous prétexte que ton volant peut être compatible avec la PlayStation 4 ou la PlayStation 5. Toi, t'es sur PC, tu t'en fiches. Pourquoi mettre plus cher pour ça? Bon, et puis dans tous les cas, on n'a presque pas le choix. En gros, pour trouver le G27, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Faut vraiment checker de temps en temps Amazon. Parfois, c'est en rupture de stock. Parfois, vous pouvez le trouver d'occasion. Voilà, vraiment, il faut avoir un bon karma. Dans tous les cas, je vous ai mis précisément le lien là où j'ai acheté mon propre G27 actuel. Et bah du coup, bah mon G27, j'en suis absolument pas déçu, ça fait depuis mars 2020, il fonctionne bien, il n'y a pas plus de bugs que sur un autre volant, et c'est typiquement ce volant qu'il faut si vous souhaitez jouer à Euro Truck sur PC, et si vous voulez pas payer trop cher, et que vous vous en foutez du design du volant, puisque ben, je pense qu'on peut le dire, mais le point négatif du volant, et tout le monde sera d'accord, bah c'est le design. C'est le design. Mais pour le reste, bah c'est le volant Logitech le moins cher. Le retour de force, il est très précis. Comme sur le G29, vous avez le témoin de changement de... Hey, tu fais quoi toi? Malade lui. Comme sur le G29, vous avez le témoin de changement de vitesse. Alors j'ai vu que ça s'appelait tachymètre, je sais pas. Il est confortable, c'est du cuir et voilà, on s'y sent bien. Et puis il y a 6 boutons sur le volant, 2 gâchettes à l'arrière et des boutons sur le levier de vitesse. Et tout ça... c'est programmable, vous pouvez en faire ce que vous voulez, des essuie-glaces, des passages de vitesse, des shifters, des klaxons, clignotants, vous faites ce que vous voulez avec n'importe quel bouton, même si ça n'a pas de sens, c'est vous qui voyez. Et je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et bah alors justement, quelles sont les différences avec le G29? Pourquoi faudrait prendre le G27 et pas le G29? Ou pourquoi faudrait prendre le G29 et pas le G27? Bah en fait le G29 il est beaucoup plus cher. Je glisse quand même juste une petite parenthèse, il est plus cher, mais parfois il y a des promos, et au moment où j'ai préparé cette vidéo, il y avait une grosse promo, alors je sais pas si ce sera encore d'actualité, il est presque au même prix que le G27. Ce qui est improbable. Mais bon, si ça se trouve, voilà, quand la vidéo sera sortie, ce sera plus du tout valable. Mais n'hésitez pas à regarder pour les promos, ça peut valoir le coup. Mais sinon, à part ça, bah c'est beaucoup plus cher. Mais en échange de quoi? Eh bien, la compatibilité aux nouvelles consoles. Le design, il est peut-être plus sportif. Oui, c'est plus joli. Il y a plus de boutons. Mais au final, si vous voulez juste être pépère sur Euro Truck et que vous vous en fichez du design, parce qu'en vrai, bah, on regarde l'écran. Et si en plus, vous êtes uniquement sur PC...
bah ça sert à rien. Ça sert à rien, autant partir sur le G27. Vous allez payer plus cher pour pas grand chose avec le G29. D'autant plus qu'avec le G29, et justement, est-ce que vous l'avez encore gardé en tête? Le G29, il n'y a pas tout qui est compris. C'est-à-dire que vous achetez le volant et les pédales. Mais par contre, le levier de vitesse, il est à part. Faut l'acheter encore en supplément. C'est pas non plus la peau du cul, mais... bah enfin, regardez le prix et on en reparle après. Juste pour un levier de vitesse, c'est un petit peu ridicule. Alors que le G27, il y a tout qui est compris. Donc vraiment, là le conseil que je vous donne, et c'est mon conseil à moi par rapport à la marque Logitech, misez à 100% vraiment sur le G27, dans le cas où il est disponible. Donc regardez sur Amazon, regardez s'il est disponible d'occasion, voilà. Vous pouvez aussi peut-être le trouver sur Le Bon Coin. Bref, regardez par vous-même où c'est que vous pouvez le trouver. Par contre, si vous trouvez le G29 à moins de 300€, vraiment avec une grosse promo, et qu'il se rapproche presque du prix du G27, vraiment qu'il n'y a pas une si grosse différence de prix, dans ce cas-là, si c'est dans votre budget et si le G29 vous intéresse, parce que oui, il est quand même peut-être plus joli et a plus de boutons, bah dans ce cas-là, partez sur le G29, ça sert à rien de partir sur le G27. N'oubliez pas qu'il faut prendre le levier de vitesse à part, ce sera toujours aux alentours de 300€ quoi. Bon, donc la vidéo n'est pas sponsorisée par Logitech, donc on peut parler des autres marques. À vrai dire, j'ai pu que tester ce fameux G27 de Logitech, donc je critiquerai pas quelque chose que je n'ai pas testé. Quand on ne connaît pas, on se tait. Je viens de faire un pic. Du coup, il existe différentes marques pour les volants, mais les deux auxquelles j'ai le plus confiance, ça reste quand même Logitech et Thrustmaster. Je vous ai mis en description un lien avec tous les volants de Thrustmaster pour toutes les consoles, parce qu'ils en ont énormément, et vous pouvez, je pense, trouver de bons compromis, parce qu'il y a certains volants qui sont même en dessous de 100€. Alors, est-ce que c'est de la bonne qualité? Je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que j'ai confiance en la marque de par leur joystick pour leur jeu de simulation d'avion. Ils sont très bons dans ce domaine. Mais est-ce qu'ils sont bons dans les domaines des volants? Ça, je sais pas. Je préfère vous prévenir. En tout cas, si vous avez un très petit budget, faites quand même un tour chez eux pour voir si quelque chose éventuellement peut vous intéresser. Là, c'est mon petit conseil. Si vous misez sur un volant Thrustmaster qui est à plus de 150€, ce que je vous propose, si c'est dans votre budget, c'est de quitter Thrustmaster et d'aller quand même chercher chez Logitech, voir si le G27 est disponible ou si le G29 peut être abordable. Si vous pouvez mettre plus de 150€ chez Thrustmaster, essayez de voir si vous pouvez en mettre un tout petit peu plus chez Logitech, comme ça vous serez sûr quoi qu'il arrive de la qualité. Bon les amis, là c'est l'instant que beaucoup m'ont demandé, où je me suis fait critiquer à l'époque quand j'ai fait une vidéo dédiée à mes réglages sur Euro Truck Simulator. Je vais vous montrer tout en détail, les réglages de mon volant G27, c'est parti. Et là les gens vont faire, ah c'est juste ça? Bah oui, vous allez voir, c'est très simple, c'est parti. Alors très important, faut télécharger évidemment le driver, le pilote, je ne sais même pas comment ça s'appelle, voilà, de votre volant. Donc si vous avez un Thrustmaster, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là je vais vous montrer pour mon Logitech G27, ça doit être la même chose pour le G29 j'imagine. En tout cas il faut télécharger le driver et pour ça faut aller sur leur site officiel, il n'y a rien de plus simple. Je mets en description quand même le driver à télécharger pour le G27. Pour le G29 vous pouvez le trouver facilement puisque lui il est commercialisé. Une fois que vous avez installé ça, je vous montre pas l'installation parce que c'est très simple. Évidemment n'oubliez pas de brancher votre volant quand même, hein, c'est USB, faut le brancher sinon ça sert à rien. Vous lancez le driver, le premier truc à faire, et c'est le seul truc à faire les amis, c'est très simple, vous allez dans les options, dans paramètres globaux des dispositifs, et vous recopiez mes réglages si vous voulez faire comme moi. Attention, les réglages c'est quelque chose de personnel, j'insiste, chacun fait à sa façon. Vraiment le plus important c'est l'angle de rotation, vous mettez ça à fond à 900 degrés. Vous avez un volant qui est capable de rotationner à 900 degrés, vous allez quand même pas vous limiter, c'est quand même vachement con. Donc vraiment mettez-vous à 900 degrés. Un truc que je fais en fait, c'est que je désactive le centrage des rebonds pour la simple et bonne raison que c'est horrible, pour moi c'est horrible. Certains vous diront de justement de le cocher, vous diront voilà de le mettre à temps et temps. Non vraiment moi je le désactive, je préfère gérer ça en jeu parce que c'est une catastrophe sinon, vraiment. Et justement en parlant du jeu, il y en a qui vous diront de décocher cette case, moi je vous dis, enfin en tout cas chez moi je le coche, autoriser le jeu à ajuster les paramètres. Chez moi je coche ça parce que j'ai envie de tout régler sur le jeu directement. Nous voici en jeu les amis sur Euro Truck Simulator 2, sur mon profil Grand Utopia, vous l'aurez reconnu, on passe du bon temps là-dessus, en plus en 1.41 les amis c'est que du bonheur. Donc si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à regarder mes petites vidéos sur le jeu, donc où je vais vous montrer mes paramètres, je l'avais déjà fait à l'époque, ça n'a pas trop changé. Petite parenthèse juste dans clavier et boutons, juste pour vous montrer, c'est ici, vous savez qu'on paramètre les boutons sur, sur le volant et sur le levier de vitesse en fait.
par exemple le frein moteur. Alors moi je fais ça ici, voilà, activer le frein moteur, et en fait c'est le joy button 4 en fait qui correspond à ma gâchette à droite, tout simplement. Pour augmenter ou diminuer le frein moteur, c'est mes boutons en haut à droite et en bas à gauche du volant. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais voyez, tout ce qui est écrit joy button, c'est en rapport avec le G27, tout simplement. Donc par exemple démarrer, arrêter le moteur ou mettre et couper le contact, joy button 1 et joy button 0, pardon, eh bien c'est les boutons rouges qui sont sur mon levier de vitesse, tout simplement. Donc vous pouvez faire ça un petit peu pour tout ce que vous voulez, hein, globalement. Là on va s'intéresser au contrôleur, vous pouvez recopier mes paramètres, sachant que là pour le coup c'est encore une fois très personnel. Chacun fait ce qui lui plaît, hein, comme dirait Chagrin d'amour pour ceux qui connaissent la musique. Alors bien sûr, vous sélectionnez ici, hein, Logitech, enfin votre volant en tout cas, sous-type de contrôleur, volant évidemment, boîte en H automatique, vous faites comme vous voulez, moi je suis en boîte en H. En mode normal pour la transmission auto-adaptative, je vais pas faire genre, je ne connais pas. Pour le reste, alors la sensibilité de la direction, très important, mettez-le à fond. C'est-à-dire qu'à peine vous allez toucher le volant, eh bien il va réagir directement. Parce que si vous le mettez là, eh bah bon courage, hein. Direction non linéaire, bah c'est toujours mieux que le volant soit centré, donc mettez-le vraiment à zéro, hein. Le but c'est que ce soit justement linéaire, voilà. Le retour de force, on l'active ici. En fait, on l'avait désactivé dans le logiciel, dans le pilote, mais comme on a coché la case, en tout cas pour ma part, hein, encore une fois vous faites comme vous voulez, pour ma part j'ai coché la case que comme quoi j'autorise les jeux à prendre le dessus, et eh bien en l'occurrence, voilà, retour de force, je l'active ici, et moi ça me permet de tout régler comme je veux ici. Donc si vous voulez un petit peu recopier, ça c'est l'axe de direction, donc là je tourne mon volant à gauche, et là regardez, vraiment je tourne avant d'arriver à la fin. Hein. Parce que comme on a mis vraiment à fond les ballons en termes de degrés, mais c'est... Il y a de quoi faire, il y a de quoi tourner les amis. La zone morte, bah mettez-la à zéro, hein, parce que si vous le mettez là, bah là j'ai beau tourner, il se passe rien. Et c'est à partir d'un certain moment que ça tourne, donc ça n'a aucun intérêt en fait. Donc vraiment mettez-le là. Si par hasard le volant a l'air inversé, genre si tu tournes à droite et que ça met à gauche, essaye l'autre paramètre, tu vois. Il faut inverser. C'est mon cas pour l'accélérateur. En fait, quand j'appuie sur l'accélérateur, bah évidemment tu vois ce qui se passe. Mais en fait, par défaut, c'est je crois centré. Bah résultat, il est tout le temps à fond et quand j'accélère, ça diminue, ce qui est complètement débile. L'agencement de la boîte en H, est-ce que je dois vraiment vous montrer très sincèrement? Vous faites comme vous voulez, moi je l'ai mis en fractionné parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. Et puis voilà, tout simplement. Vraiment le plus important au niveau du volant, c'est tout ce que je vous ai montré. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il est temps les amis de parler du track IR. Ça peut toujours faire plaisir, je l'ai autant qu'on en parle. Je vous ai mis en description le site de trackier.fr. Je ne suis pas non plus sponsorisé et en plus de ça, le lien il est même pas affilié. Mais c'est une marque qui a du mérite et je suis très content de pouvoir vous en parler. Je suis fier de mon explication les gars. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme expliqué en début de vidéo, le trackier, c'est un dispositif qui permet de suivre en temps réel les mouvements de votre tête grâce à des capteurs, ce qui va finalement les faire reproduire directement en jeu. Tu tournes ta tête à droite, la caméra du jeu tourne la tête à droite, sans aucune latence, c'est instantané. Du coup, comment ça fonctionne? Bah, c'est un capteur qui est relié en USB à ton ordi, tu le poses en face de toi et ça va chercher des points de motion capture. Et en fait, on a le choix, soit avec trois réflecteurs que tu peux mettre en place sur ta casquette, n'importe laquelle, il y en a même une qui est fournie avec le trackier, c'est ce truc-là, donc n'importe quelle casquette, hein. Cette casquette-là est fournie avec le trackier, les capteurs également. Du coup tu peux prendre n'importe quelle casquette, mais vous avez une casquette gratuite mise à disposition. Hop, t'as juste à le clipser, c'est très très simple. C'est fini. Ou bien alors, on peut acheter en supplément ou en payant le pack plus cher, c'est ce que j'ai fait, un track clip qui possède également 3 réflecteurs, sauf que tu peux clipser le dispositif à ton casque. Ça, je l'ai montré dans ma vidéo setup que je vous invite à aller regarder. Je possède les deux versions, je préfère la casquette avec les réflecteurs. C'est la version simple, mais comme j'ai pas forcément tout le temps envie de porter un casque sur les oreilles et que porter une casquette légère, c'est quelque chose que je fais couramment, bah j'ai fait mon choix. Les deux options fonctionnent très bien. Dans tous les cas, le trackier, ça suit les mouvements que ce soit en X, en Y, en Z et aussi en rotation que ce soit horizontal ou vertical. Ouah, mon explication les gars, elle est incroyable. Et franchement, trackier, je peux avoir des intérêts ou pas? Et bien à présent, nous voici sur le logiciel du coup trackier 5.4 qui est donc à télécharger sur le site. Le lien est en description, mais bien sûr, il faut
avoir le trackier à la maison, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là en fait, pour vous expliquer, j'ai la casquette sur la tête actuellement. Regardez, je fais oui, non, enfin voilà, j'ai la casquette sur la tête, ça peut très bien marcher avec le bundle. J'ai un profil spécialement pour Flight Simulator 2020, un profil pour à l'époque Tourist Bus, c'est d'ailleurs le même profil que j'utilise pour The Bus, et puis le profil pour Euro Truck. Alors il n'y a pas grande différence, c'était juste par rapport à mon confort sur les différents jeux. C'est pas les meilleures configurations, donc si vous voulez me recopier, c'est pas le meilleur truc à faire, mais si jamais vous voulez un petit peu vous inspirer, n'hésitez pas. Vous faites front et là vous voyez votre tête, ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour essayer d'interpréter, est-ce que quand vous êtes sur le jeu, vous pensez que ça va tourner de la même façon? Le but du jeu, c'est d'être le plus immersif possible. Donc vraiment, quand vous tournez la tête à droite, est-ce que vous avez cette sensation que la tête tourne de la même façon? C'est ça en fait le plus important, tu vois. Et puis à partir de cet instant, t'as juste à régler ici en fait. Je vais pas le faire parce que sinon ça va être la merde. Mais tu peux déplacer chaque point en fait. Tu peux zoomer. Tu peux déplacer chaque point, regardez, moi je suis là, ici, là, quand je tourne la tête, tu vois. Et tu peux justement faire en sorte de rendre plus smooth à un certain moment. Voilà, à partir, si tu mets ta tête à 50 degrés, tu peux faire en sorte que ce soit plus smooth ou plus dur. Ou voilà, et ça, tu peux faire ça pour chaque axe. Je rajoute juste une petite parenthèse parce que j'avais complètement oublié de vous dire pourquoi je préférais le trackier plutôt que la réalité virtuelle. Les raisons sont simples et me concernent, donc c'est totalement personnel. Premièrement, pour du Euro Truck, du Flight Simulator ou peu importe, moi, comme je crée du contenu sur YouTube, en facecam ou non, c'est pas la question. Je passe beaucoup de temps devant les écrans. Quand je suis en live, j'ai besoin de voir le chat facilement. Bref, j'ai besoin de voir mes écrans. Et donc, être dans un casque de réalité virtuelle, c'est pas adapté pour moi. Il faut que je vois tout ce qui se passe autour. En plus, très sincèrement, moi, j'ai pas envie de foutre en l'air mes yeux. Sachant que, attention, je ne dis pas que la VR fout en l'air tes yeux, mais il faut faire des pauses très régulièrement. C'est pas bon d'être dans la VR trop longtemps. Donc j'aime pas trop l'idée, et en plus de ça, imaginez-vous donc en facecam, à chaque vidéo, vous ne me voyez pas, vous voyez juste sur ma gueule le VR, et ça ce serait à chaque vidéo. Donc non, j'ai préféré miser sur le trackier, qui pose donc pour moi beaucoup moins de problèmes. Quel setup pour jouer à Euro Truck Simulator 2? Les amis, j'espère avoir répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tous les liens sont en description. J'aurai essayé de tout vous expliquer du mieux possible et le plus proprement possible. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est un format qui change d'habitude. Évidemment, j'ai pas abordé tous ces gros setups, justement. Il y en a, ils se font vraiment mais des setups incroyables. Ça se fait aussi dans le monde de la simulation d'avion, où ils sont vraiment mais dans des enfin, en fait, c'est ils sont dans un avion quoi, concrètement quoi, tu vois, ou dans un camion, tu vois, et il y a pas mal de trucs comme ça, ça coûte très cher, je ne fais pas partie de ce milieu, et qu'on est vraiment dans la simulation simple avec un budget standard on va dire. C'est sûr que tout n'est pas donné, quoi qu'il arrive, mais voilà, on essaye de trouver le bon compromis pour que ce soit le moins cher possible, mais que ce soit le plus quali possible. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous apporter. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde.